Yo, c'est Gensho de la Fame Steam et c'est parti pour la fuite tant désespérée de Sam Fisher qui a frôlé la mort d'un gaz neurotoxique. Voilà. Donc voilà. Donc c'est parti, allons-y, ben, allons nous sauver. C'est qui? Attention, fumigène! Occupation thermique! Ils sont trop nombreux pour les prendre de face. Je vais. Ok, je passe sur le côté. Merde, ils vont vite! Passe par un côté. Ok. Là, tu meurs. Non, c'est avec son casque. Tous à couvert, vite! Je suis à couvert et en position! Il est là! Quoi encore? Ah non. Secteur nettoyé. Ça va, Sam? Sam! Shit. Ok, petit fail. Ok, c'est tout, comment ça? Ils ont des visions thermiques et tout. Toi, tu vas plus chier. Secteur nettoyé. Ça va, Sam? Sam! Ok, j'ai plus personne de mission, voilà. Il faut monter en haut.
Je suis pas encore soigné. Hein. C'est bon. C'est dégagé. Green, valise installée. L'hélico est en route. Je vous retrouve après pour le débriefing. Et c'est parti pour des débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas encore tiré d'affaire, mais ton état est stable. Pas moi, Zadik. Parti, mais le mouchard est toujours actif, on sait où est la bombe. Sam, non, il te faut du repos. Ce dont j'ai besoin, c'est de voir les infos qu'on a sur l'Iran. La présidente a fait une déclaration hier soir. Le pays a soif de sang. Alors pourquoi on est encore là? Parce que Grimm ne croit pas que ce soit l'Iran. Tu n'es pas censé reconfigurer le système. Oula, ça chauffe. Quoi? À chaque fois qu'ils ont laissé des indices en évidence, c'était pour mieux nous tromper. Ils ont peut-être paniqué. Sadik n'aurait pas été là s'il avait su qu'on venait. On ne peut pas risquer une guerre s'il reste le moindre doute. Tu as raison. C'est une décision trop importante. Ce qui veut dire qu'on a du boulot. Ok, bon ben voilà. Je pense que ce sera tout pour la mission 5. Donc voilà. Sur ce, bye bye, à plus tard pour la suite. Je pense que je continuerai sur l'émission de Grimm. Donc voilà. A plus.